toutes les alliances que le MSM vient de faire. C'est vrai, en 2000-2005, c'était une très bonne alliance avec le MMM. Mais aujourd'hui, nous, alliance avec le ML, c'est une des meilleures alliances qu'ils ont trouvées. Un gouvernement très soudé, ensemble, nous tout derrière le Premier ministre. Malgré l'opposition depuis 2014, peut faire tous les efforts pour déboulonner, je n'ai pas pour récit. Et je connais la façon de travailler de Pravin Jagnat depuis qu'il assume son responsabilité comme Premier ministre du pays, surtout Maria Precheli. Et mon petit ban dans l'opposition, il n'est pas pour facile pour être capable de déboulonner Pravin Jagnat. Maman, grand problème, Pravin Jagnat. Ivan Kolanda avec lui. Gouvernement là peut casser maintenant. Presque chaque mois, on peut en dire pour une élection dans 6 mois. Élection pour faire quand nous terminons nos mandats. Pays n'a aucun problème entre MSM et ML. Quand il s'agit d'un individu, d'un djigoun, qui soi-disant involve personnellement dans un acte de crime, par exemple, d'une allégation de corruption, de obtaining gratification, etc., ou pas le mettre sur pied une commission d'enquête, ou référer l'affaire à une investigative authority. Il y en a beaucoup d'allégations, allégations à tel niveau qu'ils ont même pu dire qui, un membre du gouvernement, ou soit un membre du ML, fin gagne le temps, et n'a même à dire entre les lignes qu'on peut écrire, qui soit disant le premier ministre il gagne une facilité, il gagne le temps, ban ministre dans le gouvernement, dit une allégation très grave. Mais ça, une qualité d'allégation, il bon pour alimenter la sensation. Si vous avez une preuve, ou une information, moi, c'est à l'écart. Ben, du monde qui a dit, pour te faire croire, qu'il y a, c'est un outil politique, béli totalement fausse. Ben, ministre, prêt pour répondre à ma question qui bizin, dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt public, pour capable éclairer la population. En 2017, ben, camarade ministre, fin répondre à peu près 752 questions, 23 private notice question, 32 sittings et finalement 24 bills qui finissent passer au sein du Parlement. Un gros travail qui finit à battre par le gouvernement. Et là, nous avons ici à peu près 6% des questions qui n'ont pas encore gagné une réponse, mais les bébés.